Ricardo Cocciante is bij ons niet zo bekend, maar in Italië en Frankrijk is hij een beroemde zanger en componist. Hij schreef de muziek van Notre-Dame de Paris. Internationaal een megasucces. On a fait plein de versions de Notre-Dame de Paris, en italien, en russe, en coréen même, tout ça. Mais si l'auteur est un bon auteur, s'il écrit bien, et si les chanteurs chantent bien, c'est beau dans toutes les langues. Et au début, on m'a dit, oh là là, c'est une langue dure, le flamand, tout ça. J'ai dit, mais il ne faut pas se préoccuper. Si on dit aux chanteurs de chanter d'une certaine manière et qu'eux le comprennent, ça va être beau. Et moi, je trouve très beau maintenant. Cocciante is zelf heel erg begaan met de Vlaamse versie van Notre-Dame de Paris. Hij stond er zelf op om de artiesten die soms weinig of geen ervaring hebben met dit soort spektakels intensief te begeleiden. Je demande toujours au chanteur, après avoir appris la technique, de l'oublier. Parce que je pense que si on oublie après le côté technique et on se fie à son âme, à son propre âme, le public ressent ces choses-là. C'est l'âme qui parle, c'est plus la technique. In de hoofdrollen van deze Notre-Dame de Paris zien we popsterren Jean Thomas en Sandrine. Cocciante legt uit waarom de keuze net op hen viel. Jean est une sensibilité. C'est toujours une émotion de l'écouter. Et Quasimodo a absolument besoin de ça. C'est une personne. Quasimodo est une personne écorchée. Il n'a rien de sa vie. Il est bossu. Il est pas beau. Mais il a une âme merveilleuse. Et lorsqu'on entend Jean, on entend ça. Sandrine est solaire, Sandrine est simple dans son expression et élégante en même temps. Et je suis très, très strict sur l'élégance du chant. Jamais trop exagéré dans l'expression, jamais dire les choses d'une manière platéale. Être toujours dans une mesure d'élégance et je pense que ces deux personnages ont ça, mais les autres aussi. Le musical gaat op 4 april in première in Stadsschouwburg, Antwerpen.